And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Que certaines choses se mettent en place dans nos pays, il faut des initiatives privées. C'est pour cela que nous avons pris, depuis quelques années déjà, de former plusieurs générations de jeunes Camerounais dans des instruments et aussi bien dans la pratique instrumentale. De petites écoles privées dans une salle. Aujourd'hui, nous sommes à un conservatoire embryonnaire où nous enseignons plusieurs types d'instruments, l'histoire de la musique, la formation musicale, l'orchestration, la MAO. Il n'y a pas d'âge. Nous recevons des élèves de 3 ans à 77 ans. Que peut-être que le problème est mal posé. Toutes ces années, aucune institution de formation. C'est pour ça que nous, depuis des années, je l'ai déjà dit, nous nous évertuons de former contre vents et marées. Et vous avez vu ces choristes qui
qui ont commencé, il y en a là des grands étudiants, il y en a quelques-uns même qui ont trouvé du travail, il y en a qui ont terminé des grandes écoles. Au lieu de traîner, ils font des choses qui élèvent, ils s'adonnent à la musique. Lettre d'amour dédiée à sa fille Aline, Ludwig van Beethoven, lettre à Élise, c'était la fille de Beethoven. Et les artistes, c'est difficile de les contenir, n'est-ce pas? Il a décidé de commencer par une étude de Czerny. Czerny, c'est un compositeur qui a fait beaucoup d'exercices pour enfants. Alors il a commencé par étude de Czerny. Il reviendra nous jouer la lettre à Élise de Beethoven tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle va nous jouer un air posthume qu'on a découvert seulement après le décès de Chopin. Anne. Street de la Vampa. Thank you.
Merci. Je crois que monsieur voulait jouer autre chose. Il nous a joué à Lille. Alors, j'appelle à nouveau cette fois un Amani qui va vraiment nous jouer la lettre Elise de Beethoven. Tu as joué la lettre Elise. Vas-y alors, allez.